whisper of new beginnings. Hola les amigos, je vous dis juste coucou. Je viens de déposer Gemma chez sa nounou. Il est 9h20, donc je vais directement chez Adora. On va faire notre balade matinale avant d'enchaîner avec une journée de travail. C'est lundi quoi. On a pas mal de choses à faire aujourd'hui, donc let's go. En plus il y a un petit rayon de soleil là, donc on va en profiter pour se balader et prendre l'air avant de commencer à bosser. Allez, à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. J'avais déjà introduit, mais c'est pas grave. Ah, mais oui, c'est vrai, tu me l'as dit en plus tout à l'heure. Oui. Alors là, on est en train de... Bon, on va faire notre petite marche matinale. C'est lundi matin, donc on va aller marcher avant le déluge. Parce que oui, c'est le printemps qui arrive, mais... On est encore en hiver. Il y a encore un petit peu. Alors il fait hyper bon. Là c'est clair qu'il fait enfin le temps il est incroyable. Il fait bon, mais il peut pleuvoir. Donc il faut se dépêcher pour pas courir comme l'autre fois où Marisa elle a couru comme une malade pour rentrer à la maison parce qu'il a plu. Donc c'est le printemps quoi. Qui arrive. Bientôt. Et là c'est trop bien, les oiseaux, vous les entendez? Et donc aujourd'hui on s'est dit qu'on allait vous filmer une vidéo spéciale favoris, essentiels, wishlist et intentions du printemps. Parce que la vidéo qu'on avait faite à la saison dernière, donc favoris, essentiels et wishlist de l'automne, nous avait vraiment beaucoup plu. Donc on fait toujours ça sous un format vlog parce que les formats face cam, c'est un peu... I don't like, je préfère le mouvement. Premier essentiel avec lequel on voulait commencer, c'est évidemment notre chronique naturo qu'on avait faite avec Claudie l'année dernière, au printemps dernier, qui est vraiment un essentiel, une pépite pour démarrer la saison printanière sous les meilleurs auspices. Ah, je pense qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Je l'ai écouté hier en prenant ma douche avec Gemma et franchement, je me suis dit, mais il faut l'écouter tous les printemps. C'est clair, moi je l'ai réécouté aussi avant-hier, je crois. Elle donne vraiment cette impulsion pour commencer le... Ouais, cette nouvelle saison, une saison de lumière, une saison où voilà, il fait jour, une saison où l'énergie, d'opportunité, de création, vraiment... D'énergie. D'énergie, c'est la lumière après une saison d'hibernation. C'est vrai que nous en hiver, on hiberne totalement, on a peu d'énergie, on est vraiment quand même comme ça. Et quand le printemps arrive, il vraiment redevient d'un coup dynamique et tout. Donc on vous conseille cette chronique qui vous parle un peu de la symbolique du printemps, qui parle aussi de détox, comment faire pour alléger son corps après un hiver bien riche, bien cocooning, voilà. Bien rude. et on s'est dit avec Adora que pour les prochaines 48 heures, on vous offre cette chronique. Normalement, elle est à 8,90€, je crois. Non, 7€. 7,90€ sur notre boutique en ligne. Mais là, on s'est dit, pour commencer, on vous fait ce cadeau pendant 48 heures. Vous aurez un lien dans la barre d'infos pour la télécharger et l'écouter. C'est vraiment un cadeau que vous vous faites aussi à vous parce que ça donne envie, franchement, de commencer le printemps. Ça donne envie déjà d'être le 21 mars. Oui. En espérant que le 21 mars, ce soit pile poil quand il y aura du soleil. On espère. En tout cas, là, le soleil commence à arriver, donc c'est top. Donc ça y est, on vient de rentrer de notre promenade, ça fait trop du bien ce petit rituel du matin. Isadora est à l'étage parce qu'elle a des trucs à faire sur l'ordinateur. Donc moi je me suis posée tranquillement pour vous parler de ce premier favori dont on a envie de parler avec vous parce que c'est un favori du printemps, mais en fait en vrai c'est un favori de tous les temps et ça va être un favori pendant très très longtemps. Quand on parle de favori, évidemment on ne peut pas ne pas mentionner les bijoux que l'on porte every single day. Depuis qu'on les a reçus, on les porte tout le temps. Vous le savez, je parle évidemment de nos bijoux Aglaïa & Co qu'on adore. En décembre, on a eu la chance de recevoir quelques pièces et depuis, vous pouvez le voir dans toutes nos vidéos, on ne les a pas quittées. Moi, je les mets absolument tous les jours. Je le porte tout le temps, là, ce magnifique collier, voilà, en perles, mes boucles d'oreilles. On les porte au quotidien parce qu'on a choisi des bijoux discrets, mais vraiment élégants. C'est vraiment la petite touche qui apporte l'élégance à chacune de nos tenues. Vous savez, nous, on s'habille plutôt de façon assez classique, mais on rehausse toujours nos tenues avec deux choses, des bijoux, toujours, et du vernis, vous nous connaissez maintenant. Et c'est vrai que j'aille au sport, que je décide de pas me maquiller aujourd'hui, que je décide de rester en jogging toute la journée à la maison, chose qui n'arrive jamais, mais si je décide d'être en journée chill à la maison, etc., juste avoir les bijoux, ça apporte vraiment ce côté chic à chacune de nos tenues. On est hyper fan. Aujourd'hui, on collabore à nouveau avec Aglaïa sur cette vidéo
pour vous parler de leur nouvelle collection, donc la collection Victoire. C'est une collection qui met à l'honneur les femmes, puisque chez Aglaïa & Co, tout le mois de mars est consacré à la femme. Donc on a eu la chance de pouvoir choisir quelques nouvelles pièces de la nouvelle collection. Alors on n'en a pas pris beaucoup parce que vous savez, nous on n'est pas dans la surconsommation. On a des pièces vraiment phares, les pièces intemporelles que l'on porte tous les jours. Donc on n'a pas besoin d'en rajouter à chaque fois. La collection elle est absolument magnifique. On aurait pu vraiment tout prendre, clairement. Mais voilà, Isadora elle a pris une paire de boucles d'oreilles. Moi j'ai pris une paire de boucles d'oreilles et également une jolie bague que je porte à l'index. Là que je voulais vraiment une bague à porter à l'index. C'est largement suffisant pour nous, mais on vous conseille vraiment d'aller découvrir cette collection qui est trop belle. Pourquoi choisir Aglaïa & Co plutôt qu'une autre marque? Donc il y a deux raisons principales. La première, c'est que Aglaïa c'est une marque française qui fabrique ses bijoux en France de façon artisanale, et ça c'est hyper important pour nous. Et la deuxième raison, c'est aussi et surtout pour leur engagement social et solidaire. Ça aussi c'est un point qui est hyper important pour nous. Donc concrètement, l'engagement, comment il se manifeste? Eh bien Aglaïa & Co s'engage auprès de l'association Solidarité Femmes. Ça fait maintenant 3 ans qu'ils soutiennent cette association, et la marque reverse 5% des ventes des créations à l'association. Donc là ça fait 3 ans qu'ils soutiennent cette association qui vient en aide aux femmes qui sont victimes de violences conjugales, et pour la première fois le 8 mars ils ont remis un chèque de plus de 30 000 euros à l'association. Donc c'est vraiment pas négligeable. Donc quand vous achetez un bijou chez Aglaïa & Co, vous soutenez aussi des valeurs, vous soutenez aussi des femmes, vous soutenez une association qui a de belles valeurs. Donc à l'occasion de cette nouvelle collection Victoire, Aglaïa & Co vous propose un code promo de moins 20% avec le code INTENTION20 qui va s'afficher juste là et qui sera également disponible eh bien, dans la barre d'infos. Et donc merci à Karine encore une fois de collaborer avec nous cette vidéo, parce que on est absolument fan de ces bijoux. Et pour parler d'une petite wishlist du printemps, Karine, si tu m'entends, je sais que tu vas m'entendre, ce qui me manque dans ma collection de bijoux, c'est clairement un bracelet de cheville. Pour le printemps et l'été, I need un bracelet de cheville. Voilà, donc voilà, j'attends juste ça pour compléter ma collection de bijoux chez Aglaïa & Co. C'est l'heure de la préparation du repas. Bon, t'en fous. Moi, tu es l'accent du sud-ouest, alors c'est pas du sud-ouest. Mon favori du moment, il était temps que je m'y mette. Le tofu. Le tofu, on l'a découvert avec... On n'avait pas vlogué. Non. On était allé manger chez Audrey de 100% Yoga, pour celles qui s'en souviennent, qui travaillent avec nous sur la plateforme. Et elle nous a fait goûter du tofu parce que c'est sa mission, nous faire aimer le tofu. Et elle a réussi cette mission. Et bah, en ce moment, bah, j'en mange assez régulièrement et j'essaye des façons de faire. J'ai partagé un Reels d'ailleurs sur ce thème-là, il n'y a pas longtemps. Et donc ce matin, bah, j'ai fait mariner mon tofu comme ça. Donc c'était celui-là que j'ai acheté. C'était le tofu en boîte comme ça. C'est écrit tofu japonais. Et ça ressemble pas du tout au tofu traditionnel que j'ai l'habitude d'acheter. Il est un peu plus visqueux. Ouais. Tu vois, ça fait comme de la gelée. C'est comme de la, ouais. C'est assez étonnant. Ça pourrait être de la crème brûlée ou je sais pas là. C'est spécial. C'est bizarre. Ouais. Et j'ai fait une marinade avec peut-être 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 cuillères à soupe de sauce teriyaki et 3-4 cuillères à soupe de sauce soja. Ouais, c'est ça. Et Marisa, je vais demander de nous ramener du sésame. Mais il faut faire torréfier, il n'est pas torréfié celui-là. Bah vu que je mets tout ensemble, ça va pas torréfier dans la... Ah tu vas mettre dedans? Je vais le mettre dans le sésame. Ah oui, donc oui, pas besoin de le torréfier alors. Du sésame, parce que j'en ai plus, et ça c'est très très grave. Ah oui, le sésame c'est la base. C'est très très grave, de toute façon je vais en mettre là comme ça, un petit peu. Enfin un petit peu. Ah non, moi j'en mets une belle quantité, d'ailleurs c'est pour ça que j'en ai plus. Et ça rend en plus tout beaucoup plus joli je trouve. Sauf pas? Ah bah le sésame c'est archi chic. Ça fait chic, ouais, j'aime trop. Donc on va faire frire tout ça à la poêle. Et à côté, des petits oignons, des poivrons surgelés. Là j'ai mis de l'huile d'olive et je vais mettre un peu de sauce soja aussi. Et on va laisser mariner comme ça tranquillement. Enfin pas mariner, revenir tranquillement. Et on mange ça avec du riz. Pendant que Isadora prépare le repas, vu qu'on est dans l'ambiance japonaise, il faut savoir que Isadora et moi, ça y est, on est entrés dans un truc, enfin moi en tout cas à 100% milliards de pourcents, je suis à fond dans la gastronomie, la cuisine japonaise, parce que ce mois-ci, on vous a dit dans le dernier vlog, le book club du mois de mars
on lisait tous ensemble ce livre-là, donc Les délices de Tokyo. Je l'ai terminé il y a déjà presque une semaine. Isadora, elle vient de le terminer. Là, tu l'as lu en 3 jours, toi. J'ai lu tout le week-end. Tout le week-end. C'est vraiment un coup de cœur. On a adoré ce livre. On a trop hâte de faire le débrief avec vous. D'ailleurs, bonne nouvelle, les débriefs, normalement, on croise les doigts, se feront désormais sur YouTube. Vous avez été plusieurs à nous le demander. Parce que c'est vrai que sur Instagram, on peut pas mettre pause quand on regarde une vidéo, etc. C'est vraiment pas agréable de regarder des vidéos en replay sur Instagram. Donc les lives maintenant se feront sur YouTube. Et on vous expliquera, bref, peu importe. Mais ce livre, on l'a adoré. Et ce livre m'a tellement plu que j'ai eu envie de continuer la lecture dans l'ambiance japonaise. Et donc, je suis restée toujours dans le thème autour de la cuisine, qui était le thème du book club de mois de mars. Et donc j'ai lu ce livre. Donc Isadora, elle a une Kindle. Moi j'ai une Kobo. Et j'avoue que je commence à redevenir en amour pour cet objet que j'ai totalement laissé de côté, puisque c'est Samuel qui m'avait offert il y a 2 ans pour Noël. Et j'ai lu peut-être 3 livres dessus, et après j'ai plus jamais touché ce truc. Et le livre du mois, Les délices de Tokyo, m'a tellement plu que je me suis dit que j'allais continuer avec le livre qui s'appelle Le goûter du lion de Ogawa Ito, et que j'ai adoré. J'ai terminé pareil, enfin là j'ai bouffé en un mois, enfin même pas, en 13 jours j'ai bouffé déjà 2 livres, tellement l'ambiance japonaise, mais on va en parler dans le débrief, mais j'ai adoré, ça donne envie de manger, ils ont un art de la cuisine qui est totalement différent de nous, franchement j'ai adoré, donc je peux vous conseiller ce livre-là, Le goûter du lion. Le goûter du lion, il raconte l'histoire d'une jeune femme de 33 ans qui a une maladie incurable, et qui va dans une maison, en fait, une maison de fin de vie, voilà, parce qu'elle ne veut pas faire subir à ses proches sa déchéance, voilà. Donc du coup elle va dans une maison de fin de vie, et tous les dimanches dans cette maison de fin de vie il se passe le goûter du lion, et c'est vraiment, j'ai adoré ce livre, franchement je suis fan, et du coup je suis tellement fan qu'il a fallu que je continue, hein, de bouffer du japonais toujours plus. Donc là je suis en train de lire un livre, mais je vous montrerai ce soir avant de clôturer le blog, parce que je ne me souviens plus du nom. C'est un autre livre japonais, mais plutôt autour de la cuisine, là pour le coup. Que j'ai trouvé à la médiathèque, il était directement à la médiathèque. Là, dès que je suis arrivée, médiathèque, j'arrive sur le promontoire, là, premier livre que j'ai lu, c'est ça. C'est un livre japonais encore. Est-ce que c'est un signe? Et du coup, en ce moment, je suis en train de... Bah, j'ai bientôt fini, j'ai pratiquement bouffé tous les épisodes, mais la série qui s'appelle Makanai, je crois, sur Netflix. Mmh. C'est pas que Makanai. Non. Je crois que c'est dans la cuisine des Maiko. C'est dans la cuisine des Maiko, je crois. Donc, dans la cuisine. Voilà, Makanai, dans la cuisine des Maiko. C'est une série, pareil, autour de la cuisine. C'est hyper sympa. J'adore. Et ça me donne envie de manger et de découvrir la cuisine japonaise. Du coup, je suis tombée sur une chaîne YouTube. Parce que moi, c'est ça. Hein, c'est oui. Voilà. Je suis tombée sur une chaîne YouTube qui s'appelle One Cookbook. C'est en anglais, mais c'est une japonaise pur jus qui fait des recettes. Et hier, j'ai préparé une recette de son chou, je sais pas quoi, mais sans chou, vous avez pas de chou. Bref, j'ai préparé une recette d'hier d'une poêlée. On a adoré avec Gemma. On s'est régalé, c'était absolument délicieux. Donc je pense que là, vous allez voir quelques recettes d'origine japonaise. Voilà, bah là Isadora est en train de faire clairement. Bah, moi, j'ai One Cookbook aussi, je vais faire sa recette du tofu. Ça, c'est sûr. Oui. J'aime trop comment elle l'a fait. Et c'est sûr, la prochaine fois, je vais aller acheter du tofu et je fais exactement son pas à pas qu'elle nous a montré. Ouais, et franchement, je ne peux que vous conseiller la littérature japonaise. Si vous aimez le côté douceur de vivre, c'est plutôt très lent, c'est pas des rebondissements. C'est plutôt eux, c'est vraiment le moment présent. C'est chill. J'irais même, on recommande toujours la lecture d'ailleurs, parce qu'en ce moment, nous on voyage pas beaucoup. Oui. Mais j'avoue, on doit voyager parce que oui. On s'arrête pas juste à la lecture. Après, on va chercher une série, après, oui. On va chercher la nourriture. Tu vois, on va aller regarder qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et en plus, en ce moment, clairement, on s'ennuie dans la nourriture à cette fin d'hiver. Et là, ça donne un regain de créativité, je trouve. Donc la lecture pour moi c'est pas que finalement se cantonner à lire, c'est après de s'ouvrir au monde, à différents mondes. Moi je suis à fond sur ma BD que j'aime plus que tout, qui s'appelle L'Arabe du futur, et là aussi on voyage ailleurs, en Syrie, mais on voyage, et je trouve que c'est une ouverture d'esprit, et L'Arabe du futur,
foncez si vous l'avez en médiathèque, parce que quasiment tous les médiathèques ont ça. C'est génial. Oula, on va faire mon truc. I know I was taught to be good in every way. And mom, this doesn't change. Marisa, est-ce que tu es prête? I am ready to go. Alors, on va tenter. Pour la énième fois. Pour la énième fois. On aimerait tellement que nos épisodes de podcast soient en vidéo YouTube. Donc on essaye. Nous avons la caméra juste là, une deuxième caméra, les micros qui sont là. Et on va essayer de se filmer tout en faisant l'enregistrement sur les plateformes de podcast. Quoi. On réessaye, Marisa ? Oui, on réessaye. Est-ce qu'on a confiance ? On a confiance. Bien sûr que ça va marcher. On a confiance en la vie. Mais c'est vrai. Ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Ouais, ça ne fonctionne pas. Là, la qualité est plutôt pas mal. Tu viendras voir le setup, Marisa, si ça te plaît ou pas. J'ai envie de te faire confiance, j'adore. Bon, c'est parti, Marisa. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Oui. On essaye ? On essaye pour la énième fois et on verra bien. Tu fais un clap ? Clap ! C'est vrai qu'Instagram te vaccine complètement d'être parent. Peut-on congeler ça, Isadora ? Peut-on congeler si ? Google, c'est tout. Allez, deux, je vous salue Marie en plus. Ça, c'est horrible. Attends, je rigole. Je pense que nous avons réussi. À voir, parce qu'on n'a pas encore dérushé pour voir. Déjà, il a fallu changer de caméra. Ça commençait bien. Ouais, au bout de, je sais pas, enfin, ça a coupé plusieurs fois, enfin bref. Donc, on verra. Oui. On a bon espoir. En tout cas, c'était pas je suis sur mon ordinateur, il faut que je crée un Reels. Marisa va créer le Reels de la vidéo de dimanche que vous avez vu, top 10 des petits déjeuners, sans sucre ajouté. Donc, elle va créer ça. Et moi, je vous ai prise, je ne sais même plus pourquoi. Ah oui, c'était pour vous dire que pendant le podcast qu'on a fait, enfin l'épisode de podcast qu'on a fait là, on a parlé de choses très intéressantes. Vous l'écouterez demain, si c'est demain. Dans tout cas, ce sera demain, dans tous les cas, en podcast. Ce sera en audio. Oui, en audio, oui. Et je disais que j'étais tombée amoureuse de la série Harlem sur Amazon Prime. Donc, vous écouterez le podcast et vous verrez ce que j'en pense. Marisa, elle, a moins aimé. Non, j'aime bien. J'aime bien, ça me détend, c'est oui. Un peu, mais c'est pas un coup de cœur, moi c'est un coup de cœur. Sex and the City vibe. Ouais. C'est pas, pour moi c'est pas ouais. Un coup de cœur. Moi j'ai adoré, vraiment, je l'ai bouffé en limite un week-end, la semaine dernière. Il me reste un épisode, le final, et je traîne pour le regarder parce que je sais que c'est le dernier, et qu'il va falloir attendre encore. Donc vraiment, si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas, et je sais Amazon c'est le diable etc, mais je trouve très dommage que Harlem ne soit que sur Amazon alors que c'est une série qui mériterait d'être vue au-delà d'Amazon, mais bon, il est sur Amazon, moi je l'ai pris sur Amazon, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Non, du coup tu voulais dire Isadora que t'as tellement kiffé leurs habits qu'Isadora en fait ça fait plusieurs mois, années, Isadora c'est quelqu'un qui n'aime pas acheter des fringues. Oui. Tu n'aimes pas acheter des fringues? Non, je suis pas fan. Et ça m'ennuie. Mais tu as envie de changer ta garde-robe un peu. Oui. Et c'est vrai que moi je vous avais parlé du fait que moi j'avais, depuis que j'avais accouché, je me trouvais pas à l'aise dans mes fringues et que je voudrais changer un peu les choses dans ma garde-robe. Donc j'ai fait un tri énorme dans ma garde-robe, sauf que je n'ai pas remplacé. J'ai tout trié. J'ai donné à Karine qui est venue, elle est partie avec quelques fringues. Ouais. J'en ai donné à toi. Ouais. J'en ai mis d'autres dans des, je sais plus comment on appelle ça là, les trucs où vous mettez les fringues. Mais j'ai rien remplacé. Et toi, tu disais, oui, c'est vrai. Toi aussi, t'as envie de switcher et mettre surtout de la couleur dans nos fringues. Ouais. On a trop de fringues qui sont pas colorées. Et je trouve que c'est pas représentatif de nos personnalités. Non. Mais je sais pas pourquoi. Alors qu'avant, quand on était plus jeune, quand on allait en Irlande, etc., on était très colorées, des chemises limite bleu pétrole. Oui, parce là. Que moi, j'ai vécu en Irlande quelques temps et c'est vrai qu'en Irlande, il y avait ce truc archi coloré. En Irlande, c'est un peu comme en Angleterre, ils s'habillent archi, c'est couleur pop, etc. Et quand je suis revenue, j'ai gardé pendant de nombreuses années ce truc très coloré et je pense, j'avais lu dans un magazine, donc dans Flo Magazine, j'avais lu une nana qui avait fait un article sur le fait d'ajouter de la couleur dans sa garde-robe et elle disait que souvent les femmes, quand on met des couleurs, notamment noires, c'est vrai que nous on s'habille quand même très souvent en sombre, Isadora et moi, c'est parce qu'on ne veut pas se faire remarquer. Et en fait, quand j'avais lu cet article en octobre dernier, je me suis dit, mais c'est tout à fait ça. Moi, je n'ai pas envie quand je vais dans une... En fait, moi, je me kiffe de ouf quand je suis chez moi.
Quand je suis chez moi, je suis là. Je me trouve jolie. Je me dis Marisa. Je me trouve intelligente. Voilà. Je me parle devant le miroir. J'ai l'impression de dire des trucs hyper. Vraiment, mais trop bien quoi. Tu te sens bien quoi. Ouais. Et dès qu'on sort, je me sens ridicule. Il faut que. Ah, attends, on me voit un peu trop. Ouais. Et je pense que c'est le fait de ne pas avoir envie que dans la rue ou. J'ai pas envie de me faire, en société de me faire remarquer. Mmh. Donc on va mettre des habits qui nous mettent pas en valeur. Ouais, un peu un camouflage. Voilà, alors que dans la série Harlem, les meufs elles sont habillées dans des couleurs magnifiques. Et puis des couleurs et des associations qui sont quand même parfois lunaires. Oui. Mais avec leur style, oui. Ça va super bien. Et du coup j'avais hyper envie. Il est temps, je pense, depuis le temps que je dis qu'il me manque des fringues, j'ai pas de manteau par exemple, enfin j'ai pas de manteau d'hiver, j'ai passé l'hiver en ayant froid moi clairement parce que je sais pas quoi acheter. J'ai pas par exemple de pull, tu sais, de pull, oui, par exemple, oui. Uni. Moi ma garde-robe elle est toute sommaire. Oui, elle est toute sommaire. Et pour vous t'as dire... pas de basique. Non, j'ai pas de basique. Le plus gros truc c'est ton tapis. J'ai pas de basique. Pas de basique. Sachant que Claudie dans la chronique Naturo qu'on vous mettra en barre d'infos, elle disait que le printemps c'est. Le vert, c'est la couleur vert, donc il faut porter du vert au printemps. Donc c'est il faut acheter une tenue, il faut acheter un petit haut vert. Ha ! Et ça, le vert, il faut l'oser aussi de le porter. Ouais. Du vert. C'est beau en plus. C'est magnifique le vert. Bon, on va essayer. Il n'y a rien de plus jouissif que d'avoir checké toutes les tâches que tu avais faites, que tu avais mises pour aujourd'hui, dans, toujours dans mon petit planning. Là, franchement, c'est mon favori, mais j'aime trop. Depuis que j'ai recommencé à planifier mes journées, le matin ou le soir, ça j'avais fait hier soir, dimanche soir du coup. Je me sens tellement, pas dans le sens productive, toxique quoi, mais dans le sens où je fais vraiment les tâches, je vois très bien dès le matin où je vais la journée et je trouve que c'est trop bien, je check. Et là j'ai pu cocher toutes les cases et je suis trop contente. Voilà, c'est une belle fin de journée. Donc on a fait toutes les tâches qu'on devait faire pour aujourd'hui, c'est good. Il ne reste plus qu'à aller chercher les petites parce que là il est 17h10, donc à 17h30 faut que j'aille chercher. J'ai mâché sa nounou, ouais, c'est une bonne journée. Je sais pas vous, est-ce que vous avez un agenda, un planning? Comment vous organisez vous? Est-ce que vous avez un agenda papier? Moi je pense que je pourrais jamais me défaire du papier. Même si on a un Google Calendar dont on vous a déjà parlé mille fois, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un carnet en papier. Est-ce qu'il va falloir qu'on refasse un agenda intention? Dites-nous. Est-ce qu'il va falloir qu'on en refasse un? Parce que vraiment, je peux pas vivre sans. Voilà. Oh, cute, cute. À se tenir la main toutes les deux là. Mes amours. Oh. C'est le printemps qui arrive. Et où le printemps? Il est où le printemps? Le printemps, c'est la saison qui arrive. Bientôt. Il est midi et demi, je suis affamée, j'ai passé une bonne partie de ma matinée à faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. En fait, je ne l'ai pas clôturée hier, donc je vais la clôturer. Je vais me faire ma pause déjeuner en même temps. J'ai très faim, je ne sais pas ce que j'ai envie de manger. En fait, j'ai envie de manger quelque chose, mais en fait, j'en ai pas. J'ai envie de faire du houmous, parce que moi, quand il commence à faire beau comme ça, j'ai envie de manger du houmous tous les jours. J'ai envie de faire des tartines de houmous. J'ai tellement hâte d'être en été et de pouvoir faire des tartines de houmous avec des tranches de tomates, des rondelles de tomates dessus. Là, en ce moment, je ne mange plus le matin, car je n'arrive pas à manger le matin parce que j'ai envie de légèreté. J'ai envie de choses fraîches, légères, mais il reste encore un peu de temps avant de pouvoir profiter des légumes de printemps. Là, cette saison-là, elle est un petit peu... voilà, quoi. À part des carottes et des poireaux, t'as pas grand chose quoi. Donc j'ai très hâte d'être en plein printemps. Came to you and said she fell in love. She was brave because she knew how beautiful it was.
un petit peu de sauce sriracha sur les œufs et le riz. Et voilà pour mon repas de ce midi. Je pense que je vais me régaler. Le repas est absolument délicieux. Je vais finir le vlog ici parce que je pense qu'on a déjà beaucoup parlé. Là après je vais aller marcher, voilà, comme je viens de finir de manger, je pense que je vais aller marcher. Il fait tellement beau aujourd'hui que ce serait dommage de ne pas en profiter, d'aller faire une belle balade avant de me remettre de toute manière sur le montage de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, enfin on espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous d'ailleurs vous quels sont vos essentiels, vos favoris, vos intentions aussi du printemps. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Quels sont vos projets? Parce que le printemps c'est vraiment la saison des projets. Vous savez c'est le moment où si vous avez un projet à lancer, c'est le moment d'y aller, c'est le moment... C'est la saison de la création, donc n'hésitez pas, c'est le moment, il faut y aller. Moi j'avoue que j'avais une intention très importante, un projet très important pour ce printemps 2023, c'était d'aller voir ma meilleure amie en Corse avec Gemma, puisque j'ai pas vu ma meilleure amie depuis les 1 an de Gemma. Voilà, ça remonte quand même, parce que ma fille a 2 ans et demi. Hein. Et donc c'est bon, hier après-midi j'ai pris nos billets d'avion, donc je suis trop contente, on va y aller le week-end du 26 mai. Donc ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cool. J'ai trop hâte. Et en fait, je me rends compte à quel point ça m'avait manqué d'avoir des projets, des intentions comme ça. Parce que c'est vrai que avec le déménagement ici, la séparation avec Samuel officielle, le fait de vivre seule avec ma fille, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de chamboulements, la fermeture d'intentions. J'ai mis de côté les projets qui, vous savez, qui font du bien au cœur, que ce soit des petits projets ou des gros projets, peu importe. Mais c'était pas le moment pour moi de me pencher sur des intentions, etc. Et je me rends compte que ça fait trop du bien d'avoir des beaux projets comme ça qui mettent du baume au cœur, quoi. Donc je suis trop contente. Et d'ailleurs même au printemps, on va se faire une petite virée avec Isadora toutes les deux, puisque notre frère nous a offert aussi pour notre anniversaire, vous savez, je crois que c'est une Wonderbox. Donc c'est ça, une Wonderbox pour un week-end toutes les deux, un week-end spa, tout ça. Donc on va se faire ça au printemps aussi, donc ça va nous faire trop plaisir. On va rester dans le coin pour le coup, on va vraiment rester à côté. Je pense qu'on ira soit vers Saumur, on essaie de trouver une jolie ville à côté de chez nous. Et puis on se fera un week-end toutes les deux, ça va être très sympa. Donc là franchement c'est trop bien, la lumière revient dans nos vies et ça fait trop plaisir. Donc je vous laisse nous dire en commentaire vous quelles sont vos intentions du printemps. Et puis on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.